pral pale ak magistrat komun nan ki se Jean-Vladimir Bertrand pou nou kapab genyen yon ide de ki sa bilan ye e kouman situasyon ye nan mouman nan pale la. Magistrat, bonjour. Oui, magistrat. Oui, bonjour, Gagné. Oui. Et bonjour, magistrat Jean-Vladimir Bertrand, ou c'est magistrat commune Grissé qui nan yon situation difficile là depuis quelques temps, mais qui vient accélérer avec attaque bandio sous commissariat Grissé dimanche. Présentez un tableau, hein, comment ça y est? Qui s'est passé de dimanche à un moment où on a parlé là, dans la commune où on a dirigé. Oui, d'accord. Encore bonjour, Gary. Bonjour, tout panel là. Ma première, c'est vous pour soutien au Banon, nous-mêmes spécialement, et commissaire et mairie Grissier et population Grissier, parce qu'on toujours aidé nous dans toute sa gagne, parce qu'on toujours prend cœur pour aider nous. Mon cher, de dimanche, nous lever dans une tension qui dépassait nous et qui dépassait la police. Côté bandit arrivé, yo envahi commissariat dans les 11h, 11h30 et policier était là, yo policier soit qui était là, yo était goumé avec eux jusqu'à ce que nous t'est arrivé dans zone 4h. Côté monsieur, vous êtes obligé d'abandonner le commissariat parce que vous avez manqué de moyens pour défendre. Parce que dans l'est à tout, pas de moyens pour vous jouer en fort. Bon, malgré les policiers qui étaient en réserve, vous êtes pris à pied parce que pas de moyens de transport pour vous. De blindés, vous êtes gagné, vous êtes fermé dans le commissariat. Bon, vous avez récupéré une machine, mais on chauffeur m'a demandé pour mettre dans moitié route, je prends route là à pied. Après, il y a environ une heure et demie de combat, il est arrivé libérer l'autre policier, soit qui est en dedans, qui fait ou pas, mais non pas gagné, policier ça qui mourit. Mais pour dimanche là, en pile dégâts faites, en pile dégâts faites, parce que nous gagnons, ça nous même nous recensons, ou jour dimanche là, nous recensons, nous gagnons 20 monde. Qui mourit dans sa nous essence. Mais il y a plus de monde qui mourit que ça parce que il y a monde qui mourit la caillou, il y a monde qui médicé non pas capable d'arriver identifier quantité de monde qui mourit pour dimanche les attaques là pour arriver lundi matin. Ça veut mais dire pour disons hier pour journée hier là, gagné et 5 monde qui mourit. Que nous connaissons, mais il y a un pile l'autre qui a brûlé, il y a un oubli ensemble avec nous. Mais 5 personnes qui ont mouru, c'est avant même que les policiers reprennent le commissariat. Les autant de policiers ont repris le commissariat, monsieur a commencé à faire Zach. Parmi 5 personnes qui ont mouru, il y a 2, il y a un cousin, madame Mouritou, là-dedans. Et hier, il y a kidnappé un pile de monde sous la commune. Parmi eux, nous avons un curé paroisse. Et Saint-Jean-Baptiste Grissier, Révérend Père Emmanuel Saint-Elia, qui n'en met toujours jusqu'à présent. Ça veut dire, alors, notre parler nous a fait, donc nous apprenons que monsieur, yo plus tué garçon, depuis qu'il est rentré dans le cas, il oui. Jeune garçon, c'est lui-même qui a tué, c'est ça? Oui, il a tué garçon, yo, et puis moi, mon cousin maintenant avant même yo bidi fait sous l'île au fin tuer yo fait madame ni camper yo dit madame non faut suivre tout reste ça qu'a fait là li gon petit garçon yo fait petite la camper tout un petit monde qui ka environ 8 9 ans yo fait camper yo pour matelas yo mette sous l'île yo mette gasoline yo mette du feu sous l'île après yo prend un panier poubelle yo mette sous l'île yo fait madame là avec petit monde assister Jean papa brûlé. Papa, ça, alors, on dit que c'est son cousin, c'est ça? Oui, son cousin, oui. Donc, ça veut dire, là, gagné, et j'en dis là, gagné, une quantité de monde qui mourit, que nous pas même capable d'évaluer. Oui. Donc, monde, ça y est, c'est qui mourit, à part cousin, là, gagné de l'autre monde que la communauté reconnaît, qui a une activité, qui a fait dans la commune, non?
Oui, il y a des gens qui ont des activités à faire, mais il y a un peu de monde tous les rentrés la caillou. C'est des gens qui habitent dans la commune, les gens qui et tout, les rentrés, ils jeunes, ils n'ont pas tué mesdames, ils ont tué Mario, ils ont tué, des plus jeunes garçons, ils ont tué autant. Après, hier, il y a un chauffeur qui a passé, il est passé là, la police récupère le commissariat, la PCI, et passé devant cette circulation, il reprend normal, et puis il reprend. Yo campé li yo fait moun yo descend yo tuer chauffeur yo mette du feu sur les bon machine. Ça veut dire nan moment n'a parlé là grissier nous même comme autorité locale nous dépassé Oui, complètement, nous dépassé complètement parce que et policiers yo nous te gagné là yo pas yo te assurer en sécurité commissariat seulement. Mais pas vraiment de moyens parce que nous avons l'autre unité qui était ensemble avec eux et l'ancien DG a été retiré. Je viens de mettre mes petits groupes SWAT qui étaient retirés. Nous n'avons pas de moyens vraiment pour garantir la sécurité nous et protéger le commissariat en même temps. Donc, depuis hier, le commissariat est sous contrôle la police, mais tu as déjà gagné gros dégâts dans le bâtiment, magistrat. Oui, il est sous contrôle la police, mais monsieur avant de commencer quand j'ai commissariat avec masse, mais il est venu apprendre ça et puis nous avons fait des matchs depuis dans la journée et pour nous te jouer un renfort qui peut venir jouer nous malgré nous avons joué un renfort dans le sud et sud-est avec Idmo l'Ouest qui était là. Mais du fait que les gens ont un pile et ont un gros âme, nous attendons que DGA voyait un chapeau nous qui nous permettre nous avancer pour les policiers qui ont une couverture par rapport avec le chapeau, qui ont avancé pour répondre au commissariat. Ça a été pris un petit temps pour ça a été arrivé, mais je vais tout profiter et féliciter DGA Normil. Si ce n'est pas il faut ça le fait dans quelques heures pour nous être capables de jouer blindé ça pour dériver. Pour un commissariat, nous avons perdu le commissariat complètement et nous avons perdu plus de monde deux jours. Parce que avant la première attaque, là, ça a été pris trois jours pour nous dériver, récupérer le commissariat. Mais là, si nous prenons plus de deux jours, nous avons gagné plus de monde. Parce que les gars, quand ils ont tout le cas rentré, depuis que les garçons ont tué, ils mettaient du feu. Non, perdu contact avec magistrat Jean-Vladimir Bertrand, que nous avons essayé de contacter à nouveau le magistrat commune Grécier qui t'a décrit pour nous. Nous allons transférer au nom, message. Voilà, qui t'a essayé de décrire pour nous la situation qui gagnait dans la commune Grécier qui, depuis quelques jours là, sous gros tension. Avec Bandi Axamio qui lui-même prend contrôle toute commune qui hier donc gagné la police nationale. Oui, magistrat? Oui, appel la dé. Oui, appel la découpé. Oui, alors me demande qui sa message ouye pour matin, peut-être à l'endroit de autorité qui n'a plus au niveau. Yo. Mais bon, vraiment, donc ça veut dire, et depuis avant jusqu'à dans mon appel là, est-ce que gagné un monde qui. D'accord, continuer à habiter dans Grécier, ça veut dire que les gens qui étaient à la caille, qui étaient toujours à la caille, les gens qui étaient à l'école qui a fonctionné, comment ça a été avant dimanche, par exemple? Oui, avant dimanche, il y a un peu de monde qui était à la caille, il y a des gens qui étaient sortis tout, mais là où la police était pour le commissariat et puis où elle était un petit peu calme, ils étaient retournés à la caille. Puis, ils étaient retournés à la caille. L'école était fonctionné timidement. Il y a quelques écoles qui étaient fonctionnées, par exemple, l'école qui est en bas commissariat. C'est-à-dire, l'école après commissariat, toute l'école qui était dans le studio, il était fonctionné timidement. Pour les classes d'examen, 9e, NS4, tout ça a fonctionné. Et puis, l'autre partie a été fonctionné en civil. Mais, en gros, la vie a pris dans le Grécier avant dimanche-là. Mais là, qu'on y a après dimanche, laisse la vie passer. Pour l'instant, nous avons plus de monde qui quitte la commune qui est premier attaque. Là. Parce que là, nous n'avons pas d'espoir encore. Côté, nous avons agressé perdu net, sous deuxième attaque, monsieur, nous avons fait pour le commissariat. Eh bien, ni monde qui n'a pas sorti, qui n'a pas décidé de sortir avant, ni monde qui est retourné,
tout le monde s'est retourné, il est sorti, il a quitté la commune. Et qui est ce message dans le magistrat? Bon, message, moi, j'ai gagné pour le commandement. Moi, j'ai demandé au commandement si n'a fait une opération, si pas récupérer le commissariat seulement et puis venir camper là. Parce que monsieur, il est en pile, il est gagné dans tout le monde, il continue à terroriser la population. Hein? Alors, il faut la police décider pour faire une opération pour déloger monsieur dans la commune. Hein? Parce que monsieur, ce n'est pas Gressier qui a gros problème pour vous. Gressier, le commissariat a vu un problème pour vous, mais vision, monsieur, c'est détruire le commissariat net et puis pour jouer une route nationale la libre, parce que c'est celle Gressier qui a un commissariat sous route nationale là. Parce que le commissariat Gressier a bien positionné, il est positionné dans le temps de deux ponts, et quel que soit le couteau à sortir dans le sud ou bien dans l'ouest, pour passer là. À part de Gressier qui a un commissariat qui est dans la position ça, regardez, le commissariat Léo Gannan dans le temps de ville là. Grand Guave dans mitan ville là, Tigouave mitan ville là, Miragua dans mitan ville là. Ça veut dire sur route nationale là. Côté nèg yo ka vinn résistance c'est Gressier lié. Alors c'est raison ça fort nèg yo a insisté pour craser commissariat Gressier pour gen champ libre pour capable aller dans grand sud sans problème. Alors ta remen pour DGA font effort en plus malgré tout ça le fait déjà et je dis à pour nous-mêmes dans Gressier qui permettent nous récupérer le commissariat malgré le terrain commencé à endommager. Mais les notaires, les lignes qui font diligence pour te guetter en attendant l'équipe pour présenter Vini, ils te font rentrer Idmo Sud-Est, Idmo Sud, Idmo Nip, qui pour te venir bah nous renfort. Enfin, ils te guetter pour un char pour nous et puis et dans quelques heures, char Vini qui permettent monsieur de quitter. Commissariat, nous apprécions ça et nous disons merci pour support rapide, ça le bat nous dans Gressier. Mais ce n'est pas ça seulement nous besoin, ça nous besoin d'opérations faites pour retirer monsieur dans la commune qui pour bat nous-mêmes avec Moun Grand Sud, qui pour bat nous au moins un minimum de sécurité. Parce que monsieur Gaï, aussi deux, trois grands policiers qui là, qui a aidé nous, mais pas oublié. Idmo qui sont dans le sud, qui sont sud-est, ils n'ont pas carité Gressier tout le temps. Alors, il faut gagner une disposition pour déloger monsieur dans la commune. Voilà. Merci un peu, magistrat. Merci, mon pauvre monsieur. Voilà, magistrat Vladimir Bertrand, qui est magistrat commune Gressier. Qui est à parler à nous matin sur la situation commune, ça, bandit a terrorisé la population depuis quelques jours, bilan, presque une vingtaine de monde perdu la vie et la police qui les mêmes reprennent contrôle, en tout cas, commissariat Gressier depuis hier. Et nous avons parlé de chauffeur Tibusa qui c'est mon Jacques Mel, bandit assassiné. On a parlé de Francin Jean, bandio, non seulement touillé, mais mettait du feu sous cadavre hier, assuré trajet Jacques Mel, Port-au-Prince.